Bon, les chéris, j'ai découvert une vidéo où une jeune fille se filme pendant qu'elle est au travail. Et je pense, Benjamin, vous n'avez pas de fille? De quoi? Vous avez une fille cachée? Ah non. Maintenant qu'il voit plus, il n'entend plus. Plus c'est pire en pire. Non, 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 je n'ai pas de fille cachée. Ça rigolait. Par contre, ah non, j'ai pas de fille heureusement cachée. Que tu lui restes l'odorat, au con. Hein. Bah, regardez. Ça fait toujours du bien. Les chéris, qu'est-ce que vous faites d'honteux? Vous dites la vérité, vous et Isabelle. Alors, moi, alors elle fait un truc. Moi, je peux dire qu'elle fait un truc honteux. Dégueulasse. Frère, à chaque fois, vous la voyez pas parce que quand il n'y a pas la caméra sur elle, elle met ses wads ici comme ça dans l'oreille, mon frère. Et elle va chercher, mais je sais pas ce qu'il y a. Sur ma vie, il y a le collier d'immunité. Frère, elle sort des trucs de là, mon frère. Mais sans déconner, la dernière fois, elle a sorti une bille entière. La dernière fois, elle a sorti de son oreille un miel Pops. C'est vrai, on l'a mis dans le lait direct, on l'a mangé sur la tête de ma mère. Non, c'est des crayons que je mets souvent dans les oreilles. Ah, non, 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 vous mettez vos doigts. Je me suis crevé un tympan comme ça. Ouais, bah, vous mettez pas vos doigts dans les oreilles, peut-être. Aussi. De temps en temps, mais c'est parce que j'entends pas bien avec, à force de porter des casques. Non, ce que je fais le plus souvent, c'est manger avec mes doigts, Bernard. Je le sais. Après avoir mangé avec lui. Bah, après, c'est de curer les oreilles. Bah ouais, en fait. Et ça fait jouir. Vous savez que ça fait jouir de mettre le stylo dans l'oreille. Ah oui. Quoi? Ça fait jouir. C'est sûr que c'est un stylo qu'on t'a mis. À mon avis, ce qui est sorti, c'était pas de l'encre, hein, connard. Merci. Je sens qu'on va arriver dans les sens. Je me sens bien. Ça démarre bien. Qu'est-ce que vous faites d'honteux, vous? Ah, moi, c'est les... ça, là, regardez. Ah ouais, quoi, ah ouais. Ah, dès que je peux me débarrasser d'une crotte de nez, je le fous sur maman. En mais général, vous faites pareil avec Brigitte Macron. Non, non, mais c'est vrai que je le fais sérieusement. Énervé, ça. Sérieusement, je le fais. Ah ouais, les crottes de nez, ouais, souvent parce que ça tient bien sur le doigt. Bon, vous savez, donc vous avez des mots. Mais faut pas faire ça en ce moment parce qu'une crotte de nez, elle peut avoir le coronavirus. Ah ouais, oui, t'as raison. Ça veut dire, moi, je me rappelle à l'école, je vous dis, bon, il faut pas le faire, c'est relou, franchement. Je faisais comme ça, je me mettais comme as et j'appelais des mecs, ça faisait. Arrête! Ouais! Voilà! C'était grave! Très bien, ben moi. J'ai envoyé comme ça des crottes de zèle de tout part. Ignoble, oui, mais parfois ça reste collé, donc c'est difficile à enlever. Eh ben dis-moi, frère, t'es spécialiste des crottes de zèle, toi? C'est moi qui m'appelle Hanouna, c'est pas toi! Qu'est-ce que vous faites d'honteux, vous, Jean-Michel Maire? Moi, je fais. À part l'ensemble de votre carrière. Il y a 4 ans de tarbaba. Ouais, je fais pipi sous la douche, mais c'est par mesure écologique. Alors, il paraît que tout le monde le fait. Ouais. Ouais. Les garçons, les garçons. Moi, je le fais pas parce que j'ai plein de produits de beauté dans ma douche. Donc, je peux pas. Ouais, je suis un fan de produits de beauté. Vous avez quoi comme produit, pardon? Parce que c'est intéressant. Bah, j'ai plein de produits. J'ai des produits de beauté de ouf. Des sels. Mais... je mets beaucoup de crèmes. Des crèmes pour le corps. Ça se voit. Des crèmes pour le visage. Sous la douche, vous mettez pour le cucu. Ah oui? Ouais, ouais. Je mets du talc sur le cucu. Non. Comme des bébés. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est bon. Je vous jure que c'est vrai. La dernière fois, il y a quelqu'un, il y a un pizzaiolo qui est passé. J'étais en train de prendre ma douche. J'avais de la farine sur le cul. Il a voulu faire une pizza. Il a pris mon huc. Il a fait dans ma C'est n'importe quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font pipi sous la douche. Raymond, qu'est-ce que tu fais de honteux, toi? Moi, c'est comme la fille, en fait. Je lâche des pets de temps en temps. Quand dans le camion. Non, pas dans le camion, parce que dans le camion, des fois, je suis tout seul, mais plus quand je suis avec des potes. Quand on est 3-4 en voiture et qu'il fait froid, les fenêtres fermées, je lâche et je dis, tiens, qui c'est qui a fait ça? Ça part en embrouille, on est obligé de se garer. Et ça nous rappelle, bien entendu, ce vieil adage, premier senteur, premier péteur. N'oubliez pas, chez vous, gardez toujours ça en tête. Non, je fais toujours ça, même au ski, dans les œufs, quand il n'y a pas de fille. Quand il n'y a pas de fille. Moi, j'ai mieux, c'est la poule qui caquette qui a pondu l'œuf. Oui, c'est la première poule qui caquette qui a pondu l'œuf. T'as coupé Raymond pour ça? Non, mais... Je t'ai coupé, Raymond, pardon. Non, pas du tout. Ça va très bien. Non, c'est l'expression française. Ouais. C'est la peau. Mais je croyais que t'avais un truc intéressant à dire. Non, bon, ça viendra pas cette année. On a tout eu, mais lui, non. Hein. On a des épidémies, on a des trucs. Voilà, mais lui, non, là, c'est pas encore pour ça. Alors, oui, Sophie Coche. Moi, je fais des trucs affreux tout le temps. J'ai des petites statuettes avec mes crottes de nez. Ah, mais vous êtes dégueulasses tous. C'est une blague.
Vous faites des statuettes avec vos crottes de nez. J'ai plus de thème comme dans Koh-Lanta. Et après, je les jette et plus elles font de bruit, plus je suis contente. Non. Satisfaction. Non, mais c'est affreux. C'est pas vrai. Ah, tu les manges pas? Elle a flingué sa vie. Ah, bah oui, mais oui, mais c'est mort. Non, mais elle va sortir dans la rue demain. Ah, c'est la meuf qui fait des statuettes avec ses crottes de zen. C'est sûr et certain, mais c'est sûr. Non, mais c'est vrai, j'avoue. Et puis, non, je fais d'autres trucs. Je fais pipi aussi dans les piscines. Ah oui? Tu fais quoi? Dans les piscines. Quoi? Vous faites pipi dans les piscines? Ah non. Pas dans les piscines. Elle est dégueulasse. Elle est pas comme ça. Sauf qu'en plus, elle le fait du plongeoir. Non, mais c'est ouf, on vous racontait pas ça quand vous étiez petit, quand que si vous faisiez pipi dans les piscines. Oui, c'est faux maintenant. J'ai testé pour vous, c'est non. Non, ça, mais je suis choquée. J'ai choqué. Kelly Vedovelli, vous faites quoi? À part me gratter le cul. Bon, bah c'est bon, merci. Non, je rigole. Et moi, j'ai mes orteils, je peux faire ça avec et j'attrape tout. Ah ouais? Ouais. C'est bon. Bah, attrapez un livre alors et lisez-le. Les deux, ils ont pris en 5 minutes. On peut plus rigoler. Elle rit pas beaucoup. Maintenant, je rigole pas. Comment vous arrivez à faire ça? Vous arrivez à faire ça avec vos orteils? Il se rattrape. C'est génial, c'est ouf. C'est ouf. Et toi, j'ai l'air d'être ça. Moi, quand je fais la vaisselle nue, ce que je fais souvent... C'est déjà très, très honteux. Non, j'adore faire gicler le produit sur mon corps. Ça, c'est mon kiff. Quand je suis tout seul, Fatou n'est pas là. Et je fais gicler, je vous donne pas la marque, mais ça gicle, c'est bon. Je vous le redis encore une fois. L'asile. Je pense que vous, si on est en quarantaine, il faut aller directement là-bas. Ça, il glisse sous le lit direct. Ah non, mais franchement, hier, il nous dit qu'il passe ses nuits sous le lit à enlever la poussière. Là, il nous dit je fais la vaisselle nue et je me mets du produit sur le corps. Non, mais les mecs, t'as bugué en quelle année, en fait? Ah, j'adore faire la vaisselle nue, c'est mon kiff, ça a toujours été mon kiff. Mais de toute façon, lui, je vais vous dire, il avait deux émissions au choix. Quoi? C'est où il était dans TPMP ou terminé dans Crime. C'est sûr et certain. Faut vous calmer un petit peu. Merci. On a eu tout le monde? Non, Benjamin, t'as dit quoi, Benjamin? Benjamin, il est déjà dégueulasse. Non.